Saviez-vous que Marie-Antoinette, la reine de France et épouse de Louis XVI, a donné naissance à ses enfants sous les yeux du public? Cette tradition surprenante trouve son origine dans un décret imposé par Louis XIV. Selon ce décret, il était obligatoire pour toutes les reines et princesses de la famille royale de donner naissance en présence d'un auditoire. L'idée derrière cette pratique était de garantir la légitimité de la descendance royale. Louis XIV pensait que si l'accouchement était effectué en public, cela éliminerait tout risque de fraude ou de substitution d'un enfant illégitime. En d'autres termes, l'accouchement public était considéré comme un moyen de s'assurer que l'héritier était bel et bien issu de la lignée royale et qu'aucun imposteur ne pourrait être placé subrepticement dans le berceau royal.